les heures historiques de l'insurrection, sous terre, en pleine capitale, sous les profondes catacombes, le colonel Roll, à son poste de commandement, dictait ses ordres. Ah, c'est vous. Entrez. Commencez par là. Vous vous trouvez actuellement place d'Enfer Rochereau, c'est-à-dire en plein Paris. Cet endroit a été construit dans les années de l'avant-guerre pour servir d'abri anti-aérien en cas de bombardement de Paris. Et lorsque les forces françaises de l'intérieur ont cherché un endroit où ils pouvaient coordonner toute l'action de guérilla qui se produirait dans les rues de Paris, on leur a indiqué cet endroit qui était aménagé et vide. Et nous avons la chance d'avoir 50 secondes de film où on les voit dans leur fonction, dans l'abri tel qu'il était à l'époque. Et à partir de ce film, on s'est orienté vers une visite en réalité mixte qui permettait, dans les lieux mêmes, de créer un contact avec cette histoire. Ah, vous voilà. Bonjour, on vous attendait. Venez vers moi. Je suis Jean. C'est moi qui vous fais visiter le poste de commandement. The tour was a great way to experience it, and you felt like you were almost there in real life, and it was very interactive, and a very good idea of what it would be like down here. L'expérience commence par une descente de long escalier qui nous mène 20 mètres sous terre sur une porte complètement hermétique à partir de laquelle on peut rentrer dans ce poste de commandement. Le visiteur est équipé de lunettes Microsoft HoloLens qui vont permettre d'apposer devant son regard des images virtuelles qui vont reconstituer au mieux le poste de commandement tel qu'il était dans cette semaine de l'insurrection, aussi bien point de vue mobilier que point de vue activité des personnages que l'on va croiser ou avec lesquels on va interagir. Le scénario a été construit à partir d'archives historiques et a surtout été validé entre le personnel scientifique du musée et les scénaristes qui ont travaillé dessus. On va croiser des personnes en charge du central téléphonique qui est un peu le lien avec l'extérieur vu que c'est dans ce poste de commandement que le colonel Roll Tanguy, avec lequel on va aussi interagir, a vraiment suscité et amplifié la résistance dans tout Paris pour favoriser l'arrivée des alliés. On va aussi rencontrer sa secrétaire, qui est en fait sa femme, avec laquelle on va travailler sur des articles de journaux pour recouper les informations et savoir ainsi où se positionnent les alliés autour de Paris. J'avais envie de juste m'attacher aux détails, aux articles, en lire d'autant plus. Mais c'était vraiment chouette, ouais. C'était une belle expérience.